más poesía. Diácono. Nous sommes l'UIEC Afrique centrale, donc nous représentons les quatre pays de la CIRAC au niveau de l'Église. Et nous venons pour consolider nos liens entre nous et voir avec les autres ce que nous pouvons faire à partir du pacte éducatif du pape François. Oui. La Guinée équatoriale, la Guinée équatoriale fait partie de l'Afrique centrale et nous travaillons au niveau de l'UIEC, nous travaillons au niveau de sous-régions. Donc la Guinée équatoriale fait partie de la CIRAC, qui est une sous-région de l'Afrique centrale, qui est la région de l'Afrique centrale, donc représentée par les autres pays comme le Congo-Brazzaville, le Tchad, le Gabon, qui sont représentés là. Oui. Donc nous nous retrouvons une fois l'an dans un des pays pour consolider nos liens et voir un peu ce que nous pouvons faire ensemble sur le plan éducatif. Mmh. Le plan éducatif. Mmh. ¿Qué valoración el ministro de Educación da a la educación católica en la formación de nuestros niños? Sí, muchas gracias. Pienso que la pregunta de ustedes es bastante pertinente. Todos somos conscientes del rol que ha desempeñado la Iglesia Católica en la educación de los jóvenes guineanos. Muchos de los cuadros que hoy en día llevan las responsabilidades de nuestro país han pasado por la enseñanza y la educación católicas. Entonces, el Ministerio de Educación, Ciencia, Enseñanza Universitaria y Profesional no puede sino valorar positivamente el gran trabajo, la labor tan ardua que está efectuando y realizando la Iglesia Católica en pro de la educación de los jóvenes guineoecuatorianos. Wow.
¿Cuáles son los objetivos que persigue esta organización? Bueno, los objetivos son, como lo dice, es la oficina internacional para la educación católica en África Central. Es un órgano que ayuda a los obispos de la CERAC en materia de educación. Entonces los objetivos son cada año hacer una asamblea donde se revisan las medidas y los proyectos que se pusieron en marcha durante el quinquenio, y se intenta a ver en qué pasos podemos avanzar. Al ser la anfitriona de esta asamblea este año, y usted como responsable de la educación, podemos salir aquí con temas interesantes para la buena educación en Guinea. Bueno, nosotros, aunque yo sea el obispo encargado de la educación, la temática educativa va más allá de lo que es nuestra conferencia episcopal. La temática educativa va impulsada desde el Vaticano, con el llamamiento del Papa el 15 de octubre de 2020, que decía que toda la comunidad humana tenía que repensar la educación, vista la crisis, vista un poco la dispersión en la que andamos y también el relativismo moral en el que andamos. Entonces, invitó a todos los actores del mundo educativo a repensar la educación, la propuesta educativa como tal, el acto educativo. Y en esta línea se ha tenido un simposio en Kinshasa el año pasado para pensar lo que llaman el pacto educativo africano, ¿no? Entonces, en esta línea vamos a continuar el encuentro de aquí para ver cómo se traduce, cómo traducimos estas orientaciones de la Iglesia Universal para adaptarla a nuestra cultura y al contexto social en el que vivimos. Y aquí es justamente esta pregunta de qué podemos esperar. Será al final de los trabajos, cuando se saquen las conclusiones, que se dirá evidentemente esto es lo que nos toca. La verdad es que es un encuentro que nos viene bien, porque la conferencia episcopal tiene previsto también abordar el tema de la educación en Guinea Ecuatorial el próximo mes de diciembre en su asamblea plenaria. Entonces, los frutos de la reflexión de la subregión aquí, los expertos de la subregión aquí, podrán ayudar también a la reflexión local nuestra para ir avanzando en cambios dentro de la propuesta educativa católica. Bispo de Medellín, presidente de la Comisión Educativa de la Conferencia Episcopal de Guinea Ecuatorial, excelentísimo señor vicerrector de la UG, ilustrísimo señor y académico don Antonio, representante personal del Ministro de Educación de Guinea Ecuatorial, ilustrísimo señor Padre Fernando, presidente de la FEGE, reverendísima secretaria general de la OIEC, Escuelas Católicas de África Central, ilustrísimo señor secretario general de la Conferencia Episcopal de Guinea Ecuatorial, ilustrísimo señor rector del Seminario Mayor Interdiocesano La Purísima,
ilustrísimas señoras y señores comisionados de la OIET África Central, Comisión de Congo, Brazzaville, Comisión de Gabón, Comisión de Camerún. Excelentísimo señor vicario general de la diócesis de Vinayo, ilustrísimo señor vicerrector, de la Facultad de Humanidades y Ciencias Religiosas, señoras y señores, ilustrísimas señoras directoras y directores de los centros católicos de Guinea Ecuatorial, ACOGE, sed todos bienvenidos a esta ceremonia, a este gran encuentro de la OIET, Asamblea de la OIET África Central. Junio de 1994, con ocasión a la 11ª Asamblea Plenaria y reconocida por decreto de la Presidencia de la República como una institución de utilidad pública, el 20 de junio de 1995, en ella de más de 40.000 alumnos. Y es muy importante la misión que está ejerciendo, que está desempeñando por Guinea Ecuatorial, esta institución de la Conferencia Episcopal de Guinea Ecuatorial. Y educar buenos ciudadanos y honestos cristianos. O si querés, revertimos buenos cristianos y honestos ciudadanos. Son los que yo quiero formar en una escuela católica. El objetivo principal de la ACGE se recoge claramente en sus estatutos, al ser un organismo de la Iglesia al servicio de la educación, pues el artículo primero alude de algún modo a dicho objetivo, cual es formar por los centros educativos católicos, erigidos y patrocinados por la Conferencia Católica en la Conferencia Episcopal de Guinea Ecuatorial, excelentísima Presidente de la Asociación de Centros Católicos a nivel internacional, la OIET, dependiente de la Santa Sede, y vicepresidente de la Asociación en África Central. Excelentísimo señor vicerrector de la Universidad Nacional, excelentísimo representante del viceprimer ministro y ministro de Educación, distinguidas delegaciones de la Escuela Católica en África Central aquí presentes, representantes de nuestras instituciones educativas, expertos, ponentes, invitados todos, señoras y señores. Tengo el honor de daros a todos la bienvenida en este encuentro que se desarrolla en Guinea Ecuatorial y en concreto en la sede de la Asociación de los Centros Católicos aquí en Colombo, en esta bella ciudad de Barta. Al tomar la palabra en este acto inaugural, me gustaría hablar brevemente y sobre todo los retos comunes y lo que significa para nosotros la escuela católica, la educación católica, y se ha visto cómo se concreta en lo que es la escuela católica del pasado y del presente en Guinea Ecuatorial. A sabiendas de que la escuela católica es la expresión de la caridad de Cristo y la primera de las obras de misericordia que la Iglesia está realizando, por eso cabe agradecer en primer lugar los esfuerzos mancomunados y la conciencia de todos los educadores aquí presentes y los ausentes para mejorar la calidad educativa de la escuela católica en África Central, en nuestras escuelas y realidades concretas. Evidentemente, la transformación de la enseñanza en nuestra subregión ya no es una utopía de hace 20 o 30 años atrás, donde la educación estaba centrada en otros modelos educativos, sino hoy por hoy, como dice el magisterio reciente del Papa Francisco, nuestra educación se va centrando en el protagonismo del alumno
en unas instituciones más organizativas, más horizontales, más participativas, más colectivas y en este sentido más emprendedoras. En esta línea, nuestra oferta educativa, que es la oferta de la Iglesia, está fundamentada en los valores del magisterio de la Iglesia, porque la Iglesia se define en sí misma como madre y maestra. Maestra y madre de las personas, maestra y madre de los pueblos, maestra y madre de las instituciones, maestra y madre de las culturas. Porque si la evangelización no se transforma en cultura, como lo dijera el Papa, ahora santo, Juan Pablo II, es una evangelización que no termina de definirse y de inculturarse. Es en este sentido que el magisterio reciente del Papa Francisco nos habla de formar hombres nuevos para tiempos mejores. Por eso, desde nuestra educación aquí en África Central, queremos en este congreso reflexionar sobre estos objetivos recogidos en el Pacto Educativo Global, documento que se ha reflexionado a nivel africano en el Congreso de Kinshasa, donde asistió personalmente el presidente del Episcopado Ecuatoguineano, acompañado de un miembro de la Asociación de Centros Católicos. Igualmente, el mismo tema se trató en Marsella, Francia, donde representantes aquí presentes de la Escuela Católica de África Central estuvieron presentes. Hoy me toca a Guinea Ecuatorial, como capital de la reflexión del magisterio doctrinal de la Iglesia, discutir y trabajar en este sentido. Quiero detenerme brevemente hablando de lo que la Iglesia entiende por escuela católica. La escuela católica, según el magisterio de la Iglesia, es una escuela evangelizadora, porque la Iglesia enseña, la Iglesia educa y la Iglesia evangeliza. Son las consecuencias del precepto id y educad a todos los pueblos. A diferencia de la escuela pública y laica, la escuela católica es también una iniciativa de cualquier o de cualesquiera fieles católicos con inspiración teológico-pastoral. Esta distinción conceptual es necesaria para aplicar, entender e interpretar el magisterio educativo de los papas, que es un magisterio bicentenario en lo que respecta a la educación católica. En este sentido, queridos invitados, decir que escuela católica es escuela del Evangelio. Y la escuela del Evangelio es la escuela de la caridad. Y el centro de toda la educación católica se centra en el hombre, lugar de encuentro con Dios. ¿Y qué entendemos por educación católica? En cuanto a la educación católica, esta incluye la transmisión de todo tipo de conocimientos científicos, conocimientos humanísticos, conocimientos teológicos, conocimientos filosóficos y antropológicos. Porque para muchos, hablar de escuela católica es hablar de catequesis. Aun cuando la Iglesia catequiza en la escuela católica, educa en todas las dimensiones una educación fundamentada en la fe. Por tanto, será necesario desarrollar en la escuela católica todas las
dimensiones que hacen al hombre más humano, más evangelizado y mejor ciudadano. Acabamos, y con eso terminamos, ver proyectada la concreción de estas teorías de la Escuela Católica en Guinea Ecuatorial, que resume, quiero entender, toda la acción que es realizada también para la Iglesia de la Católica. Terminar que la Escuela Católica en Guinea descansa en tres pilares. Tres pilares: el pilar doctrinal, el pilar jurídico y el pilar social. En lo doctrinal es el magisterio común de la Iglesia. Por eso se ha creado la Asociación Internacional de Escuelas Católicas a nivel universal, que descansa y tiene su jerarquía en el dicasterio de la educación católica de la Santa Sede. Pilar internacional. Y desde la Santa Sede se ha descentralizado esta labor en las diferentes regiones del mundo. Y nosotros estamos en el distrito de la Escuela Católica de África Central, cuyo representante es nuestra reverenda aquí presente. El segundo pilar es el pilar canónico jurídico. Y este pilar, a nivel de la Iglesia local, son los estatutos promulgados por los obispos. Hemos escuchado que estos estatutos se promulgaron en 1994. Y la cabeza visible de esta acción de la Iglesia son los ordinarios del lugar, los obispos representados aquí, en la figura del encargado del episcopado en materia educativa en Guinea Ecuatorial. Hemos visto que el artículo primero de los estatutos promulgados por los obispos define la Escuela Católica de Guinea, cito, un organismo de la Iglesia al servicio de la educación, formado por centros educativos católicos, erigido y patrocinado por la Conferencia Episcopal. La asociación está abierta a la participación de los centros y personas físicas y jurídicas que colaboran para la consecución de estos objetivos y promueven la educación en la evangelización. Fin de cita. Otro pilar no desdeñable es el pilar del derecho civil ecuatoguineano. Tras la promulgación o la erección, término canónico, de los obispos para esta asociación, era necesario también el reconocimiento oficial. Y este reconocimiento oficial se hizo a través del decreto de la Presidencia de la República en el año 1995, mediante el decreto número 51 de fecha. Por eso, la representación del Ministerio de Educación. En el derecho ecuatoriano se define a CENIE como institución de utilidad pública del derecho civil, lo cual significa que CENIE tiene plena autonomía para su organización, para su gestión y para su funcionamiento. Por eso, tiene derecho a la financiación oficial y obligado a supeditarse a las normas del Ministerio de Educación. En definitiva, queridos congresistas, queremos
reiterar nuestra gratitud por vuestra presencia, los que han venido desde lejos, la adaptación de la agenda del obispo responsable, los directores de nuestros centros católicos, los responsables de las instituciones educativas de la Iglesia, la participación en este foro inaugural del representante personal del ministro de Educación y de la Universidad Nacional, porque la Iglesia Católica hoy por hoy está en la universidad a través de tres facultades. Excelentísimas autoridades eclesiásticas, excelentísimas autoridades académicas, excelentísimas autoridades políticas, distinguido público, señoras y señores, con Dios en la mesa. Por eso, empezaré mis breves palabras, porque no es un discurso, los que han preparado el acto, la organización, han dicho palabras, no discurso. Por eso, con las palabras no se puede. Efectivamente, hago memoria de un dicho que está en uno de los muros de la sede de la UNESCO en París. Es una expresión del muy conocido Nelson Mandela, que hablando de la educación dijo: la educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo. Por eso nosotros, los que pensamos que educar es un sacerdocio, que ahí no vamos ni para ganar riquezas materiales, ni para enriquecernos, pensamos que lo que damos a los niños cuando los estamos educando hoy, mañana nos lo devolverán con frutos a toda la sociedad, porque cuando enseñamos, cuando educamos, no sabemos qué va a ser de ese futuro el día de mañana. El Ministerio de Educación, Enseñanza Universitaria y Profesional reconoce sinceramente la gran labor de la misión católica en el sector educativo. La inmensa mayoría de los cuadros que actualmente están responsabilizándose en las decisiones de nuestro país han pasado por una formación en las escuelas católicas. Yo soy parte de la minoría que no ha estado ahí, pero no pasa nada. Por eso, sinceramente, no. Excellence, Monseigneur Miguel, évêque de Bouygues, excusez-moi si je ne commence pas bien, responsable de l'éducation à la conférence épiscopale de Guinée. Permettez-moi d'entrée de jeu de rendre grâce à Dieu Tout-Puissant qui nous a permis de nous retrouver ici pour partager ces bons moments dans la joie, la paix et la tranquillité qui règne dans cette ville. Excellences, distingués invités, je voudrais avant tout propos rendre un hommage appuyé à M. l'abbé Benoît Ndongo, ancien secrétaire national de l'enseignement catholique du Cameroun, ancien secrétaire général de l'OIF d'Afrique centrale, qui n'est plus de ce monde. Il a contribué de manière significative à la création de l'OIF Afrique centrale. Ses apports lors de nos rencontres au Cameroun, au Congo-Brazzaville et au Gabon ont été hautement appréciés. Je salue sa rigueur professionnelle et l'ardeur avec laquelle
qui s'était engagé au service de l'OIF Afrique, qui repose en paix. Je voudrais très respectueusement vous demander de vous lever pour observer une minute de silence. Je vous remercie. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Et à travers vous, tout le personnel, les élèves, les étudiants et les familles de nombreuses et diverses institutions de formation que vous représentez ici. C'est un réel plaisir pour moi de vous rencontrer à l'occasion de cette 4e Assemblée Générale de l'OIEC Afrique Centrale et de partager avec vous quelques réflexions autour du thème. Monseigneur Miguel Anga Ngemabe, évêque de BDI, est responsable de l'éducation à la Conférence épiscopale nationale de Guinée équatoriale. Monsieur le représentant personnel du ministre de l'Éducation nationale, Monseigneur le secrétaire général de la Conférence épiscopale nationale de Guinée équatorienne, Monseigneur le vicaire général du diocèse de Binagno, Reverend Père, Reverend Sœur, secrétaire général de l'OIEC Afrique Centrale, le grand père président de l'OIEC, région d'Afrique, non, le grand père président des centres catholiques du grand séminaire, monsieur le représentant du CICPE, monsieur le vice-recteur, mesdames et messieurs les directeurs des collèges catholiques de Guinée équatorienne, chers membres de l'OIEC ici, de l'OIEC Afrique centrale ici présent, révérend père, révérend sœur, mesdames et messieurs, en vos rangs, titres et grades respectifs. Nous sommes heureux de nous rencontrer à l'occasion de l'Assemblée générale de l'OIEC Afrique centrale cette année à Bata, Guinée équatoriale, après 4 ans d'inactivité. Cette longue période d'arrêt était due à un certain nombre de raisons. Tout d'abord, l'ancien secrétaire général de l'OIEC Afrique centrale, en la personne du révérend père Benoît Marie Dokoandeke, est tombé malade dans la deuxième partie de 2019. Ensuite, en 2020, la fameuse pandémie de COVID-19 a fait surface et les rencontres physiques sont devenus impossibles par crainte de contamination. Enfin, en février 2021, comme nous l'avons déjà entendu, le père Benoît Marie devient plus en plus malade et finit par rendre l'âme le 14 avril de la même année. Avant sa mort, le père Benoît Marie Ngoandeke, pionnier secrétaire général de l'OIEC Afrique centrale, avait travaillé très dur depuis la création de l'OIEC Afrique centrale en 2016 à Yaoundé, au Cameroun, et avait réussi à élaborer le statut de l'OIEC Afrique centrale.
En plus de l'Assemblée générale initiale de l'EEC Afrique centrale, le PR a pu organiser deux autres assemblées générales réussies à Brazzaville, Congo et Libreville, Gabon. Du 14 au 16 décembre 2017 et du 18 au 21 décembre 2018 respectivement. Nous devons une immense gratitude à M. Mboa Kalima, qui a travaillé en étroite collaboration avec le père Benoît Marie en tant qu'expert et qui était avec lui lors des deux dernières assemblées générales et qui est ici avec nous à cette assemblée générale qui se tient à Bâton, Guinée-Équatoriale. Après le décès du père Benoît Marie, M. Philippe Richard, alors secrétaire général de l'OEC, qui travaillait également en étroite collaboration avec les catholiques, les élèves sont mis au défi de rendre le monde meilleur en prenant chaque jour des décisions dignes du Christ, non pas dans leur but de gagner des louanges, mais parce que c'est la bonne façon de vivre. La règle d'or qui consiste à traiter les autres comme on aimerait être traité est une valeur essentielle des écoles catholiques. Tout comme la croyance fondamentale selon laquelle tous les êtres humains sont créés égaux. Dans les écoles catholiques, les élèves apprennent à respecter tous les systèmes de croyance et à apprécier la diversité des peuples, des cultures et des religions du monde. Dans les écoles catholiques, chaque enfant est unique et aimé de Dieu. Il ou elle trouve les conseils, les ressources et les encouragements dont il ou elle a besoin pour atteindre son potentiel individuel. La sœur secrétaire générale de l'EEC Afrique centrale a bien parlé du pacte éducatif, donc je ne vais plus parler de ça. Le devoir de tout éducateur catholique nous interpelle dans la sous-région d'Afrique centrale pour rendre l'éducation catholique pertinente pour nos enfants, pour les besoins de chacun de nos pays, pour les besoins de la sous-région d'Afrique centrale et pourquoi pas pour les besoins de l'Afrique dans son ensemble. Aujourd'hui, on trouve tout et n'importe quoi sur TikTok. J'ai été très heureux de tomber l'autre jour sur un voice clip très interpellatif sur les réseaux sociaux. Il nous amène à réfléchir sur le type d'éducation que nous offrons à nos enfants en Afrique. Permettez-moi de le partager avec vous. Et je cite, ce que deviendra l'Afrique dans 30 ans dépend de ce qu'on enseigne ou de ce qu'on n'enseigne pas aux enfants africains aujourd'hui. Si c'est lui qui contrôle la monnaie, contrôle toute l'économie, alors c'est lui qui contrôle le système éducatif, contrôle le peuple.
si on passe des années à convaincre des aigles qu'ils sont des poules, alors ils ne voleront jamais. Et si on passe des années à convaincre des lions qu'ils sont des brebis, ils se comporteront comme des proies. Alors, sommes-nous actuellement en train d'éduquer des jeunes entrepreneurs qui construiront l'Afrique ou des petits esclaves qui iront se bousculer dans les ambassades européennes ou se noyer en mer à la recherche d'un maître? Sommes-nous en train d'éduquer des Africains authentiques bâtisseurs ou des nègres de maison qui trahiront l'Afrique? Aussi longtemps que le système éducatif colonial sera en place en Afrique, chaque génération sera un peu plus stupide que la génération précédente. Que devons-nous faire pour reprendre le contrôle sur l'éducation lorsqu'on est aussi un produit de ce système? Remettre tout ce qu'on a mémorisé en cause et devenir plus. Des élèves dans les écoles.
les grands-pères, les grandes-sœurs, mesdames, messieurs, et tous à bon âme et titre général et respectif. Que le Seigneur Jésus-Christ soit loué pour la grâce de l'homme et pour le quatrième à assembler ce jour-là ici à Bagdad. Et je vous prie qu'il réalise sa promesse de sa présence là où vous devez pouvoir son, en son nom et son bien, puisque vous devez vous présenter. Je voudrais exprimer ma gratitude à la sœur Clarisse Kourissa, secrétaire générale de l'EAC, qui m'a fait l'honneur de présenter cette conférence inaugurale. Et je voudrais également vous exprimer ma gratitude au Monseigneur Miguel Amiguel pour le témoignage de collaboration que les acteurs d'éducation de votre pays montrent depuis que nous préparons cette rencontre. Et ces témoignages de collaboration se manifestent depuis hier, avec une intensité particulière depuis votre arrivée hier à BBI. Vous nous avez reçu vous-même et nous avons été témoins émerveillés des petits soins que vous avez donnés pour que nos séjours, que le voyage se passe bien, que le sujet se passe bien. Aujourd'hui, nous allons beaucoup parler, aujourd'hui, demain et après-demain, nous allons beaucoup parler de collaboration. Je voudrais espérer que les participants de cette rencontre s'inspire de votre propre intérêt pour la collaboration des acteurs à plus d'un titre dans les émissions que nous allons prendre. Donc, je souhaite qu'on parle de 5 points. Nous allons passer rapidement sur ce qui ont été évoqués. D'abord, je voudrais qu'on essaie de voir l'école catholique comme un lieu d'un grand réseau d'espérance. Quelqu'un a dit d'une certaine manière, mais je souhaite que nous nous accordions sur le fait que l'école catholique n'est rien seule. Votre école, votre collège n'est rien seul. Vous êtes un, nous sommes un homme très grand réseau qui est diocésain d'abord, qui est national ensuite, qui est international par la suite. Ensuite, je voudrais qu'on parle, qu'on rappelle rapidement la petite histoire de l'EAC et de Saint-Charles, pour que nous comprenions les engagements qui sont les nôtres. Et après, nous allons voir le cœur de mon travail, c'est de voir avec vous comment le pacte éducatif peut être source d'inspiration et d'inspiration pour nous, en tant que vision, comment le pacte éducatif peut être la base d'implantation de notre vision de l'éducation et de nos approches d'éducation, même de notre façon d'évaluer notre action éducative. On pourrait utiliser le pacte éducatif pour cela. Je vais commencer donc par le premier point, l'école catholique comme réseau. Bon, en fait, je ne vais pas vous proposer pour vous exposer une avancée conceptuelle sur les approches éducatives, ce n'est pas le sujet. Je souhaite qu'ensemble nous posions les bases conceptuelles à compte pour que nos travaux aboutissent à des avancées sur les approches de collaboration et de coopération. Nous pourrons faire de chaque école un nœud. C'est de ça qu'il va s'agir ici, un nœud d'espérance. Donc tout ce que nous allons dire, c'est comment faire pour que notre école catholique soit un nœud d'espérance pour les jeunes qui la fréquentent, mais également pour la société dans laquelle ces jeunes vivent. Parce que c'est de ça qu'il s'agira en réalité. C'est de ça qu'il s'agira quand on va avoir la mission de l'école au plus près. La Fondation pour l'éducation catholique nous rappelle que la vocation de l'école catholique est de transmettre à ses élèves une conception, la conception chrétienne du monde, de l'homme et de l'histoire. C'est ça la vision globale. Que nos élèves voient le monde, voient l'homme, pas l'histoire, l'homme, l'histoire propre, l'histoire de l'humanité jusqu'à la finalité. À la fin, pour notre final, comme des chrétiens. Mais en même temps, je voudrais citer cette question, les écoles catholiques sont appelées à marcher ensemble pour permettre à l'Église de faire au monde un service éducatif. Donc, nous avons ces éléments, ces deux aspects de notre mission. Faire en sorte que nos élèves aient un regard chrétien sur la vie. Mais
permettre à l'Église d'offrir au monde un service éducatif de qualité. Et quand on a dit cela, nous comprenons que nous ne pouvons pas être seuls. Nous allons travailler avec d'autres écoles. D'abord, à l'intérieur de l'école, le maître n'est pas seul. Tout ce que nous allons faire là autour du parc éducatif, nous n'avons pas que personne n'est seul. Celui qui pense traiter un étudiant éducatif seul, il est comme un militaire qui va vers un seul. Il faut imaginer des collaborations avec nos parents d'élèves, avec des collègues, avec la direction et l'enseignant, avec d'autres écoles. Nous avons imaginé des chaînes de collaboration avec d'autres écoles de notre diocèse, avec des écoles peut-être non catholiques, mais de notre territoire pour traiter des problèmes qui nous sont communs. Il faudrait imaginer des multitudes de collaboration. Et c'est en fait de cela qu'il s'agit quand le IEC se permet de reprendre la thématique proposée par le pape sur le concept de pacte éducatif. L'IEC Afrique centrale est une jeune organisation. C'est en fait 6 ans que nous existons. Mais en 6 ans, nous avons fait 3 assemblées régionales, voici la 4e. Et au cours des 3 assemblées générales, nous avons remarqué des avancées. La première assemblée générale, qui est cette année à Yaoundé, avait pour objectif de faire le diagnostic de l'école catholique en Afrique centrale. Quels sont les défis de l'école catholique? Ça, c'est connu. La deuxième, qui s'est tenue à Brazzaville, a mis des organes de gouvernance, des statuts, pour que le lien puisse travailler devant les défis qui sont les défis de l'école centrale et les défis de l'école catholique en Afrique centrale. Et à Libreville, on a pris des engagements. On a dit, voici l'orientation qu'on devrait prendre. Je voulais rappeler ces engagements que nous ne pouvons pas oublier. Aujourd'hui, on va ajouter certainement d'autres engagements que je vais donner après demain. Mais il faut qu'on se les rappelle. Premier engagement que nous avons eu, c'est de promouvoir des pratiques éducatives innovantes dans le but de permettre à l'école catholique d'apporter des réponses durables aux problèmes de la société d'aujourd'hui et du futur. Voilà le premier engagement. Il faut travailler pour des pratiques innovantes. Deuxième engagement, promouvoir la préservation de l'environnement dans la mise en œuvre du projet éducatif. L'engagement suivant, consolider l'idée chez les apprenants par l'apprentissage des valeurs de démocratie et de paix. Votre engagement, organiser des tribunaux scolaires. Bien de la fricte et expressé à l'hommage à la marche. Muchas gracias. Proponer orientaciones en un momento en el que África busca
su propia identidad desde la fe cristiana y católica y desde sus propios presupuestos antropológicos ancestrales. El efecto del continente africano es resultar de diferentes avatares sociopolíticos que además pasaron por el fenómeno de la colonización para contribuir a la formación política de colectividades nuevas actuales que asumen los diferentes efectos de la evolución histórica de nuestros países, a pesar que estamos intentando sacudir el vivo colonial, forjándonos con esa transición una nueva personalidad mucho más global que antes, en la que el anuncio cristiano está vinculado. En esta globalización estamos muy expuestos a contradecir nuestra propia personalidad, estamos expuestos a recibir lo que no debemos recibir y que no concuerda con nuestra propia visión de la vida. En efecto, el hecho colonial está vinculado a la misma evangelización, es decir, la evangelización vino en el mismo blanco que la colonización. Cuando Jesús presenta su doctrina, insiste en esas palabras y enseñar a toda la gente. Es decir, que la misión de educar es una misión fundamental en el cristiano. Y enseñar a toda la gente, bautizando desde el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Este es el contacto de Jesús que nosotros hacemos propio para poder continuar esta misión. En este mandato se entiende que la evangelización es un proceso de transformación total, es un camino de investigación. Lo digo así porque es un camino de investigación para encontrarse su propia realidad y de encuentro con